Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre frère Coco King. Je suis dans la joie de partager encore avec vous la parole de Dieu. Nous allons continuer avec notre série. Comme j'avais dit, nous allons faire 6 épisodes. Ça, c'est la 4e épisode. Alors, je veux vous rappeler encore que je parle sur l'argent. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils écoutent ça, ils commencent déjà à trembler et à chasser les démons quand ils écoutent le mot argent, argent, argent. Je sais pourquoi est-ce que c'est comme ça. Je sais pourquoi c'est comme ça. J'ai été baptisé à l'église pendant que j'étais bébé. Je suis parti à l'église, accompagné par ma mère, mes soeurs. Et puis, à vers 7 ans, 8 ans, quand j'avais l'âge d'aller à l'église qui était juste à côté de chez moi, j'y allais. Et 10 ans, 12 ans, je continue à partir à l'église. Alors, j'ai vécu aussi dans les... J'ai vu des églises et des églises jusqu'au quand j'ai grandi au point où de pouvoir faire ma propre décision. Vers 17 ans, j'ai accepté, quand j'avais l'âge, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, de ma vie. Alors, je continuais encore d'aller d'église en église jusqu'à aujourd'hui. Alors, je sais que quand en église, on dit « argent », les gens tremblent, on dit « argent », les gens tremblent, on dit « argent », les gens commencent à dormir, « argent », les gens commencent à faire comme s'ils n'écoutaient pas, « argent », les gens commencent à paniquer, « argent », les gens commencent à dire « oh, encore histoire d'argent ». Oui, je sais que ces sujets d'argent, c'est un grand sujet. Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de divisions, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur l'argent. Alors, si le Seigneur, d'abord, je parle de ce sujet parce que le Seigneur m'a mis au cœur de parler de l'argent. Si l'argent fait trembler les gens, si les questions de l'argent font que les gens puissent fermer les oreilles, si les questions d'argent font que les gens disent « Ah, encore argent, 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 argent. » Parce que c'est vraiment important. L'argent, c'est lié à ta vie. Ton argent est lié à ta vie. Ta vie est liée... on dit aujourd'hui, par exemple, que ses frères à 20 ans ou cette soeur à 22 ans, on compte la vie par les secondes. Ça veut dire que tu as une valeur de 20 ans de secondes. Alors, quand quelqu'un va au travail, quand tu te lèves, tu pars au travail, tu travailles pendant 8 heures. On prend 8 heures de ta vie. On prend 8 heures de ta vie et on te donne un salaire. Alors, c'est ta vie. Quand tu vas au travail, c'est ta vie. Si tu as 20 ans et que tu es parti au travail pendant 8 heures, ça veut dire que quand on dit que tu as 20 ans, bien que tu as 20 ans, dans tes 20 ans, il y a 8 heures qui sont travail. Alors, quand on te paye à la fin du mois, on est en train de te... L'argent qu'on te donne, c'est en échange du temps, des secondes, des minutes que tu as passé au travail. Je suis en train de lier l'argent à ta vie. C'est pourquoi l'argent, le sujet de l'argent est un sujet vraiment très important. Alors, ta vie est liée à ton argent. Si tu n'as pas de vie, tu ne peux pas sortir dehors pour gagner l'argent. Si tu n'as pas de vie, tout le bien que tu as, les gens vont venir prendre. Tes enfants, tes frères, tes soeurs, viendront prendre tous tes biens. Et tu n'auras plus de mots à dire. L'argent, ton argent,
est lié à ta vie. Alors, encore, si on comprend bien ce que je viens de dire, d'abord, je vais encore commencer à dire que mon frère, ma soeur, ne ferme pas les oreilles parce que quand tu écoutes le mot argent. Et la façon dont je veux parler de l'argent aussi aujourd'hui, je dois ajouter ça avant de continuer, avant que les gens changent de chaîne, je vais dire aussi ceci que il y a plusieurs façons de parler de l'argent. Mais la façon dont je veux parler, je suis en train de parler de l'argent, cette série, c'est une façon pour te faire parvenir l'argent. Il y a une façon pour te faire sortir l'argent. Amen. Et il y a aussi une façon pour te faire, pour que l'argent puisse entrer chez toi. Alors, ma prédication d'aujourd'hui, je suis en train de parler de l'argent sur ta tête. Je suis en train de parler de l'argent sur ta tête. Je suis en train de donner un commandement. Par l'onction de Jésus-Christ qui est sur ma vie. Que l'argent puisse entrer chez toi. Que l'argent puisse entrer chez toi. Toute offrande, toutes semences que tu as plantées. Que tu as plantées. Et que tu es en train de dire, Seigneur, j'ai mis cette offrande. J'ai mis cette offrande, j'ai mis cette dîme, j'ai mis cette offrande, mais l'argent n'est jamais retourné. Alors, par l'onction de Dieu qui est sur moi, je commande à ton offrande de retourner. De retourner vers toi multiplié. Je commande à l'offrande de retourner vers toi multiplié. Je commande à l'offrande de retourner vers toi multiplié. Alors, tu peux être là, tu peux me dire que, oh frère, mon frère Coco King, moi, bien que je parle à l'église, je n'ai jamais donné d'offrande. Qu'est-ce qui va rentrer? J'ai dit, mon frère, Dieu nous a donné en premier pour que nous puissions donner. Dieu nous a donné en premier pour que nous puissions donner. Le Seigneur veut te donner en premier. Dieu nous a donné. C'est celui qui donne la semence au semeur. C'est celui qui donne. Dieu est celui qui... Dieu ne veut pas que... Dieu ne veut pas que toi tu puisses donner. Mais Dieu veut te donner. Le travail de Dieu, c'est de te donner. Dieu, c'est celui qui a donné son fils unique Jésus-Christ. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner. Alors, suis la parole. Écoute la parole de Dieu qui vient vers toi aujourd'hui. Dieu veut te bénir. Dieu veut te multiplier. Dieu veut multiplier tout ce que tu as donné. Je ne parle pas seulement de ce que tu as donné à ce ministère. Je parle à tout ce que tu as donné à un ministère, à tout ce que tu as donné à un enfant dans la route, tout ce que tu as donné à tes voisins. Je parle la bénédiction du retour. Et même si tu n'as pas donné, Dieu est celui qui donne en premier. Alors je parle la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu d'entrer dans tes finances et de te toucher. C'est ce que le Seigneur a mis sur moi pour partager avec toi aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Luc 5. Dans le livre de Luc 5, on commence à partir de 1. Luc 5, on nous dit, comme Jésus se trouva auprès du lac de Génésareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver le filet. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance à plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il emplit les deux barques au point qu'elle enfonçait. Amen. Nous allons parler de la multiplication, la puissance de Dieu.
Simon aussi, comme nous venons de lire dans le livre de Luc 5, il a travaillé. Il a travaillé toute la nuit et il a rien pris. Simon a travaillé toute la nuit et il a pris. Et quand maintenant le Seigneur est venu le matin pour prêcher la parole, Jésus-Christ est venu pour prêcher la parole. Alors, ici dans la Bible, on ne nous dit pas de quoi Jésus-Christ a prêché. On nous dit seulement qu'il prêchait et la foule a écouté. Alors, je suis sûr, comme je connais Dieu, je suis sûr que Jésus-Christ, après avoir enseigné, il a maintenant démontré son enseignement. Ce qu'il a fait avec Pierre, c'était démontrer la prédication qu'il a fait. Il a prêché aux gens, il les a dit. Maintenant, ce qu'il a dit aux gens, c'est ce qu'il a fait. Qui est regardé. Nous avons ces deux frères, ils ont passé toutes leurs nuits pour travailler, pour prendre du poisson. Et ils n'ont rien pris. Maintenant, moi aussi, j'entre dans leur compagnie. Maintenant, moi aussi, Dieu, j'entre dans leur affaire, dans leur business. J'entre pour faire le travail avec eux. Alors, maintenant, je vais leur dire, jetez votre filet. D'ailleurs, Jésus-Christ, il les a dit de jeter leur filet, plusieurs filets. Mais lui, Pierre, il a jeté seulement un seul filet. Et parce que Jésus-Christ maintenant était dans l'histoire, c'est là où l'histoire change. Parce que Jésus-Christ était dans l'histoire, ils ont pris beaucoup de poissons. Ils ont pris beaucoup de poissons. Que maintenant, Pierre a invité ses autres compagnons pour venir les aider. Et ils ont rempli des bateaux. Des bateaux remplis de poissons. Sur la même rivière. Sur la même mer. Là où ils n'ont rien fait. Là où ils n'ont rien attrapé. Mais la présence de Jésus-Christ a changé tout. La présence de Jésus-Christ a changé tout. C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Jésus-Christ n'a pas honte de parler de l'argent. Jésus-Christ n'a pas honte. Ce que Jésus-Christ a fait pour eux là, c'était l'argent. C'était leur travail. Les poissons là, c'est l'argent. C'était leur travail, c'était leur business. La présence de Jésus-Christ dans leur vie a changé. A apporté de là où il y avait la sécheresse à la multitude. La présence de Jésus. Les poissons là, c'était pour vendre. Les poissons là, c'était pour vendre, pour manger. Jésus-Christ a apporté. Alors, je veux dire encore que Dieu n'a pas honte de parler de l'argent. La Bible nous parlait de l'argent, de la bénédiction. Alors, Dieu n'a pas honte de parler de ces choses ici. Alors, quand Pierre, après avoir passé toute la nuit à rien travailler, il avait déjà préparé les réponses qu'il allait donner à sa femme. Parce qu'en rentrant vers la maison, la femme allait demander, « Pierre, tu es parti pêcher toute la nuit. Où sont les poissons ?» Et Pierre allait commencer à expliquer, « Tu vois, femme, il n'y avait pas comme ci, comme ça, par ça. » La femme allait dire, « Toi, tu es menti. Moi, je ne pense même pas que tu es parti prêcher. Mais tu es parti dormir quelque part. » Donc, Pierre préparait déjà les réponses pour donner à sa femme. Mais Jésus-Christ est venu, il a changé l'histoire. Jésus-Christ est venu, il a changé l'histoire. Jésus-Christ veut changer ton histoire. Jésus-Christ veut entrer dans ton histoire. Jésus-Christ veut faire un miracle pour toi maintenant. Cet miracle est le produit de la parole de Dieu. Quand le Seigneur a dit, Pierre a dit, « Seigneur, par ta parole, nous allons faire ce que tu as dit. » Alors, il a jeté le filet. Dieu veut faire un miracle avec toi, mon frère. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Alors, ouvre ton cœur pour écouter cette parole. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Ce n'est pas pour ta voisine, ce n'est pas pour ta soeur, ce n'est pas pour ton oncle, ce n'est pas pour ta mère, ce n'est pas pour ta tante. Cette parole est pour toi. Le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Cette parole qui vient vers toi,
C'est la parole de Jésus-Christ lui-même. Je suis servant de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi pour te dire que l'abondance est une chose de Dieu. L'abondance est une chose de Dieu. Dieu, en utilisant les bateaux de pierre, ne voulait pas perdre le temps de pierre. Les bateaux que Dieu, Jésus-Christ, a utilisés pour prêcher la parole est quelque chose que Pierre a semé. C'est un bateau de son travail. Alors, parce que Jésus-Christ était présent maintenant, il ne pouvait pas descendre et dire à Pierre que le Seigneur te bénisse et puis il part. Non. Je ne vais pas te dire que le Seigneur te bénisse. Alléluia, amen, je pars. Non. Je suis en train de te dire, jette ton filet à gauche. Jette ton filet à gauche. Jette ton filet à gauche et attrape. Attrape beaucoup de poissons. Attrape de l'argent. Jette ton filet à droite et attrape l'or. Attrape l'argent par la puissance de Dieu. Par la parole de Dieu. Jette ton filet. Jette ton filet. Jette ton filet. Jette ton filet pour ta compagnie, pour ta famille, pour tes affaires. Jette ton filet et tu vas avoir ton miracle. Je prophétise le miracle dans ta vie. Je prophétise le miracle dans ta vie. Le Seigneur vient vers toi avec un miracle. La parole de Dieu, cette parole de Dieu vient vers toi avec un miracle. Le Seigneur n'a pas honte de parler de l'argent. Le Seigneur n'a pas honte de parler avec l'argent. Je suis en train de parler la parole de Dieu. Et je suis sûr que cette parole attire les gens qui veulent connaître Dieu. En voulant connaître Dieu, en te mettant devant pour écouter la parole de Dieu, je vais t'assurer, mon frère et ma soeur, que Jésus-Christ est celui qui t'enseigne. Alors, les histoires que si je suis dans l'abondance, je vais me perdre, ça ne vient pas de Dieu. Si je suis, parce que Dieu est celui qui est dans l'abondance. Jésus-Christ est celui qui a donné tous ces poissons-là à Pierre. Jésus-Christ était dans l'abondance. Jésus-Christ vivait dans l'abondance. Alors, il n'a pas perdu sa foi. Il n'a pas perdu sa foi. Il n'a pas perdu sa connaissance en Dieu. Alors, Dieu veut te bénir. Et il veut te bénir maintenant. Dieu veut te bénir et il veut te bénir maintenant. Dieu veut que son miracle puisse être vu maintenant dans ta vie. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse cette parole entrer en toi. Laisse cette parole entrer en toi. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et reçois les miracles. Cette parole de Dieu, c'est ça le miracle pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je commande les miracles d'entrer dans ton cœur. Ouvre ton cœur et reçois les miracles. Je commande un miracle qui va t'amener à saisir beaucoup de choses, à saisir beaucoup d'argent. Comme j'ai dit au commencement, j'ai dit argent, argent, argent. Ce n'était pas pour te faire perdre. Ce n'était pas pour faire sortir ton argent. Mais c'était pour augmenter ton argent. Par l'onction de Dieu sur moi, je commande l'augmentation de ton argent. J'augmente ton argent. Je commande aux sources de s'ouvrir pour que l'argent puisse venir vers toi. Je commande aux portes de s'ouvrir pour que l'argent puisse venir vers toi. Je dis, argent, viens vers moi. Répète avec moi. Argent, viens vers moi. Par le nom
puissant de Jésus-Christ. Je mets ma main à droite. Je ramasse beaucoup d'argent. Je mets ma main à gauche. Je ramasse beaucoup d'argent. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je suis en train de commander l'argent dans ta maison. Je commande l'argent à entrer dans ta maison. Reçois par le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande aux gens de venir toquer à ta porte et de t'amener des chèques. Je commande aux gens de toquer à ta porte et de t'amener les chèques. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Comme Pierre a vu ces miracles dans son entreprise, je commande les mêmes miracles. Je commande les mêmes miracles de ces produits dans ta vie. Je commande les mêmes miracles de ces produits dans la vie. Je suis en train de parler aux gens qui se sont levés le matin et qui ont donné à Dieu. Je suis en train de parler aux gens qui ont donné leur dîme à Dieu. Je suis en train de parler aux gens qui ont sémé leur argent dans ma vie, dans mon ministère. Je suis en train de parler aux gens qui sont même assis en train de dire « Ah, argent, 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 donner, 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 sémé, sémé, sémé. » Alléluia, gloire à Dieu. Je viens te dire que par l'Esprit de Dieu dans ma vie, par l'onction que Dieu a mis sur moi, l'onction de Dieu, c'est cette force qui brise les fardeaux. C'est cette force qui fait sortir le fardeau sur le dos des enfants de Dieu. Alors, par cet esprit de Dieu sur moi, par cette onction de Dieu dans mon appel, je viens te dire que ce que tu as donné va revenir chez toi maintenant. Et cela va revenir chez toi multiplié. Je donne un commandement au ciel. Je donne un commandement à la terre de s'ouvrir et de faire couler la pluie de l'argent sur toi. Je commande à ceux qui auront cru, à ceux qui croiront, à ceux qui vont entrer avec moi dans ces choses et dire ensemble avec moi amen, je crois, amen, je crois. Je donne un commandement au ciel de faire couler la pluie de l'argent sur toi. Je donne le ciel un commandement de faire couler la pluie sur toi. Le retour. Dieu avait dit, il a promis le retour de ce que nous allons donner. Il a promis une bonne récolte. Le Seigneur a promis une bonne récolte. Isaac a semé. Genèse 26. Isaac a semé. La même année, Isaac a semé et son récolte était bonne. Isaac a semé et il a récolté de bonnes choses. Et ta semence aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus, par l'onction de Dieu qui est sur moi, je donne un commandement que les anges de Dieu puissent amener des cadeaux dans ta maison. Là où, à gauche et à droite, que tu puisses avoir de gros poissons. Je commande les gros poissons de s'amener eux-mêmes dans ton filet. Je donne un commandement. Parce que Jésus-Christ, le roi, était dans le bateau de Pierre. Tous les poissons voulaient être capturés. Tous les poissons. Parce que Jésus, le créateur était là. Tous les poissons voulaient être mangés par Jésus. Les poissons voulaient que Jésus-Christ puisse les manger. Les poissons voulaient être tous ils sont les créateurs. Les créateurs étaient là. Tous les poissons qui étaient ce jour-là dans cette rivière, ils sont tous venus pour être capturés par Pierre. Parce que Jésus-Christ était dans le bateau. Maintenant, parce que Jésus-Christ est avec toi, je commande à l'argent de venir vers toi. Je commande à l'argent de venir vers toi. À l'argent de se jeter sur toi. Je commande à l'argent de se jeter dans ton porte. À partir de maintenant, mon frère, à partir de maintenant, ma soeur, là, tu vas voir l'argent apparaître dans ton compte. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas vous dire, cet argent, ça vient d'où? Cet argent vient de Dieu. Vient de Dieu. Dieu
Il est en train de mettre l'argent dans ton compte maintenant par la parole. Par la parole de Dieu. Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros dans ton compte. Je suis en train d'écrire. Je parle à ceux qui auront cru. Ça, ces choses ici, c'est pour les gens qui ont la foi. Je suis en train de donner ces choses. Ça, c'est par la foi. L'Esprit de Dieu me commande à parler. Je suis en train de parler. Et ceux qui reçoivent la parole de Dieu vont voir les miracles dans leur vie. Dieu, la volonté de Dieu, c'est de te faire parvenir l'argent. Dieu veut te faire, Dieu cherche tous les moyens pour te faire accepter l'argent, pour te faire recevoir l'argent. C'est à toi de recevoir. Si tu ne reçois pas, cela ne va pas marcher. Si tu ne reçois pas, cela ne va pas marcher. Pour ceux qui croiront, ils verront les miracles de Dieu. Alors, ça c'est la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Revois ces vidéos pour comprendre en profondeur ce que le Seigneur veut partager avec toi. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus-Christ est mort à la croix. Galates nous dit, Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir chez nous. La bénédiction d'Abraham, béni comme Abraham il était, il a gardé sa foi en Dieu. Alors il ne faut pas avoir peur de la bénédiction. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu sans argent. C'est pourquoi en église, quand on commence, on dit s'aimer. C'est pourquoi les gens commencent à dire que c'est les choses comme s'aimer. Les gens qui disent s'aimer, c'est parce qu'ils n'ont pas. Mais Dieu veut que tu puisses lui servir. Tu puisses lui servir avec ton argent. C'est ton argent. C'est ton argent qui soutient. C'est ton argent qui soutient le ministère. C'est ton argent, c'est votre argent qui a fait que ce ministère est à la télé. C'est votre argent qui a fait que ce ministère est à la télé. Quand j'ai voulu faire ça, moi-même, je dis que non, Seigneur, je ne vais pas demander l'argent aux gens. Je vais utiliser mon propre argent. Le Seigneur m'a dit que ça ne se fait pas comme ça. Parce que Dieu veut te bénir toi. Non, Dieu veut te bénir toi. Alors, comment est-ce qu'il va te bénir s'il n'est pas en collaboration avec toi? L'onction qui est en moi, ce n'est pas seulement pour qu'elle puisse travailler sur moi. L'onction qui est sur moi, Dieu veut qu'elle puisse travailler aussi dans ta vie. Alors, en entrant en collaboration avec moi, en entrant en contact avec moi, en touchant ce ministère, par ton offrande, la puissance de Dieu est publiée à beaucoup d'autres gens. Et tu es béni, je suis béni. Nous sommes ensemble avec toi. Alors Dieu veut te faire parvenir l'argent. Dieu cherche tous les moyens pour te faire parvenir l'argent. Il entre, tu dois être en contact. Il veut que tu entres en contact avec lui. Il veut que tu puisses être en contact avec lui. Alors, dans ton bateau, Jésus-Christ en étant dans ton bateau, tu vois avoir.